Άρα τα που ήταν πάνω σε αρπόν, χάζεται, λάσσα νέα είναι τι να τσινιά, ας νόρα να βάρει λουτσούλι, ταν, σε αυτή σύμπαλη του λιάνιν. Madagascar est l'un des principaux pays frappés par le dérèglement climatique. Le sud de l'île est devenu quasiment inhabitable. Sécheresse, déforestation, famine, c'est un véritable cercle vicieux pour les populations. À Madagascar, l'agriculture est la principale cause de déforestation. Pour se nourrir, les populations brûlent les forêts et y installent des parcelles agricoles dont la fertilité est de courte durée. Or, 80% des espèces animales et végétales de l'île n'existent nulle part ailleurs. Aujourd'hui, elles sont menacées. Il y a urgence à agir. Pour répondre à ces enjeux de déforestation, de perte de biodiversité et de sécurité alimentaire, nous avons lancé le projet ADAPT. Notre mission, donner le pouvoir à chacun de préserver les forêts malgaches. Depuis 2010, nous avons planté 1 million d'arbres, accompagné 200 producteurs vers l'agroécologie, sensibilisé 10 000 personnes à l'environnement et appuyé le développement du commerce équitable. Ary hitako iny fiovarana azoko zany tao aorinany nanaovana le fifanana tsy nisy tsony ala dia niezaka anzay nana tsara ala dia amin'izao fotoana zao efa hita hoe miverina zany le ala teo amin'le toerana ny zavatra azoko tamin'ny pepinera moa zany tsy olony teny zavatra mo teny tsangana dia nikisoa amin'le fambolena azo ary ny taranaka mihitsy a nitraikialy lay zavatra aoriana kely. Aidez-nous à instaurer ce cercle vertueux partout à Madagascar. D'ici 4 ans, nous voulons atteindre 2 millions d'arbres plantés, accompagner 1000 nouvelles familles vers l'agroécologie et sensibiliser 5000 personnes à la préservation de l'environnement. Vous aussi, aidez-nous à refonder l'équilibre entre forêt et humain. Soutenez Cœur de Forêt.